On fait du sport, des fois on va au stabiliser. Et des activités, par exemple, on est en train de préparer la soirée de Noël. D'accord. Au centre de loisirs, on joue et là on est en train de préparer entre filles un spectacle pour le dernier mercredi et des fois on va jouer dans la cour. Cette année, on est en train de faire un projet. C'est un projet, en fait, on part un jour ou deux et on va aller voir un match de foot. Je joue au Capla. Qu'est-ce que tu fais au Capla? Je fais des constructions qui est sur le plan et qui est sur la boîte. Nous, à l'espace jeune, on fait souvent des activités qui pourront, par exemple, aider certaines personnes pour nous cultiver, comme manger, bouger. Ou comme aujourd'hui le vidéomaton ou plein d'autres choses qui peuvent nous apprendre. Les cadeaux. Dans le centre de loisirs, on fait des activités manuelles, on fait des jeux de société, on joue à plein de choses. On fait des activités manuelles. Après, le temps libre, on joue au Capla, aux voitures et tout ça. On joue aux jeux de société, on fait des Capla. Mais aussi, on sort dehors, on fait des activités comme par exemple du foot. Voilà. Au centre de loisirs, je fais de la cuisine, je partage ma passion, je fais plein d'activités dans ce genre, jeux de société, voilà. On est allé à la patinoire. Aussi, on est allé à la grotte de la Cocalière. Après, on est allé en Camargue aussi. On fait des jeux de société. On fait des sorties pendant les vacances, on va au ski, on va à la patinoire, des fois on va au zoo, on fait plein d'activités comme ça. Et des fois il y a des sorties vélo et des trucs comme ça. Des fois on va au cinéma, un stade. J'aime bien jouer au foot avec mes amis et faire des jeux. Au centre aéré, je fais des dessins, j'aime bien faire des dessins. Moi, le samedi matin, j'aime bien aller au handball à Saint-Géniès de Malgoires. Pour le sport que je fais en club, je fais du judo. Moi, j'ai pas assez de place pour faire du. J'allais faire du karaté, mais j'ai pas assez de place. J'allais faire de la piscine, mais j'ai pas assez de place. Moi, l'an dernier, je faisais du foot, mais sinon, j'ai arrêté. Moi, je fais de la natation et du basket. Younes fait du hip-hop et du foot. Hein. Et ben, moi, je fais du karaté, et puis c'est tout. Hein. Oui, moi, j'ai une activité. C'est le roller et la cuisine que je pratique le plus. Et parfois, la course. Alors moi je fais de la Sévienne à Saint-Géniès. Et moi je fais de la danse moderne jazz à la Calmette. Et l'année prochaine je referai de la natation. Oui, moi je fais du foot en club. Où ça? À Saint-Géniès. C'est du foot. Du rugby. Oui, moi j'ai fait du foot, j'étais en poussin et maintenant je fais de l'athlétisme. Moi en ce moment je fais du foot en club, je fais du basket avec le collège et voilà. Des fois on regarde la télé. Et puis des fois, on joue. Moi, chez moi, soit je lis des BD, ou soit je regarde la télé et je vais sur l'ordinateur. Je fais du foot avec mon papa.
que je joue. Ben, des fois, il y en a un qui ramène un ballon à moitié dégonflé. Je sais pas pourquoi à moitié dégonflé, mais après, on joue au foot comme ça, dans la rue, où chacun sort un vélo et on va faire du vélo. Ou... On a tout le temps quelque chose de prévu. Des fois, on prend 2 € chacun, on va à Inter, on se fait un goûter, quoi. Moi, des fois, quand j'ai rien à faire, pareil, je regarde la télé. Et des fois, je vais jouer au lotissement avec mon vélo et un ballon avec mes copains. Moi, je joue à la guerre avec mes doudous. Je joue à la PlayStation. Après, je joue au Playmobil. J'avais aussi mon jeu préféré, c'était Master Mino. C'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Moi, c'est cache-cache. Moi, c'est... Il y a la gamelle aussi. Alors, à la maison, et ben moi, des fois, j'attends Nolwenn parce qu'il vient me chercher et on joue dans ma chambre. Des fois, on va sur l'ordinateur, on regarde des vidéos, on s'échange des choses. Ben, avec mes copains, on joue à la PlayStation, au vélo. Après, on se baigne quelquefois. En fait, moi, je vais jouer avec mon papa au foot ou sinon, je vais au parc. Par exemple, si je suis rentrée de l'école, je goûte, j'allume la cheminée et je joue de demi-heure et puis voilà. Hein. Une heure de lecture. Après, on va dans la chambre, on joue aux voitures. Puis, je fais aussi un peu de cuisine. Et puis sinon aussi je me colle à la console et je fais du vélo, de la trottinette et voilà. Oh, je fais parfois des gâteaux, des repas salés, par exemple des tourtes ou des pâtes, même quelques entrées parfois. Après sinon je joue des fois à des jeux électroniques, enfin pas le plus souvent. Mais sinon, voilà, on joue. Alors quand je suis avec mes copains, on va dehors et on se fait des petits jeux, avec un ballon. On fait des fois un taureau ou des fois on se fait des matchs entre nous. Comme Michael vient de dire, on joue au taureau et puis au foot et puis au rugby. Nous, quand on invite des amis chez nous, on fait des jeux, on va jouer dehors et puis pour me détendre, je vais sur Facebook, je vais faire un jeu en ligne avec mes amis. Et moi, je sors dehors avec les amis, on va faire un foot au stade ou alors on est chez nous et on joue soit à la Xbox, soit on va sur l'ordinateur ou soit on regarde la télé. Déjà il y a la différence de taille, la différence déjà ce qu'on fait à l'école et ce qu'on pense dans nos têtes, par exemple le travail qu'on fait, la taille, l'âge, plein de choses. Et puis on est trop. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands. Non, le jeu, c'est qu'il y en a, ils jouent plus souvent à des choses que d'autres, alors que les petits, ils jouent tout le temps à des choses différentes. Et sinon, il y a les différences d'âge. J'en ai 13, il en a... 7. 7. Il y a la classe, il y a le... tout ce qui est social. C'est trop bien. Enfin, on a la différence de la taille. De la connaissance. T'aimes bien lire? Moi je lis tous mes livres de bibliothèque en une journée. Ok, alors c'est une différence, moi je lis pas du tout et lui il lit beaucoup. C'est que les grands aiment plutôt faire... aller sur internet, Facebook. Ils ont pas les mêmes activités que nous. Nos copines, souvent on peut pas trop leur parler parce qu'ils sont souvent sur leur téléphone ou sur internet, des choses comme ça.